Delta Mike qui est 30 ici à 14 h en avant, la station. Oui, bonsoir, l'île de la Réunion, là, FR4, interrogation de Gérard, F5 Mexico Oscar X-ray. F5 Mike Oscar X-ray, je suis en portable au bois de Vincennes, à la butte au canon, là. Voilà, QSL et 73. Mal. Allez, 17h local. Oui, on entend l'aéronautique, hein. Pascal, on entend chez toi l'aéronautique cavoqué et tout ça. FR4 Oscar Zulu, Pascal, à Sainte-Marie, île de la Réunion. Je te reçois bien, mais dans le fond, on entend l'aviation, le trafic aviation. Voilà, je salue Henri, F5 Mike, Delta Mike. J'ai pas le QTH. Donc ici, je répète, ici, F5 Mexico Oscar X-ray, Mike Oscar X-ray. Je suis en portable fixe, portable, dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, sur la butte au canon. Voilà, ce que c'est QSL Pascal, avec toutes mes amitiés. FR4 OZ, F5 MDH, non, MDM, F5 MOX. À toi Pascal. Le relais là, machine. Voilà, Henri, je te répète.
5 NPM. Il y a aussi la Vigera, puis il y a d'autres stations qui se sont manifestées là. Ici c'est fait 14 Z, ça va dire oui. Bien sûr qu'on entend bien hier. Je suis revenu, c'est F5MOX, excusez-moi, j'avais un problème technique. C'est bon, c'est reparti. Alors. Oui. Depuis la région, depuis l'île de la région qui reprend. Bon, si je ne vais pas me faire plus long, j'ai des rendez-vous là sur peut-être bande là sur le 80 mètres avec des habillants locaux pour faire un peu de transmission numérique. Voilà, mais je redonne le micro à Gérard hein, qui apparemment s'est signalé qu'il avait des petits problèmes techniques qui étaient rentrés dans l'ordre. Dans tous les cas, Gérard, ça fonctionne très bien pour vous. Hein. Voilà, ben j'ai bien compris qu'il y avait une modulation là, par-dessus ou par-derrière de ma modulation, mais je le répète, à proximité d'un chat que j'ai rien de l'aviation, hein, pas de récepteur, pas d'émetteur hein, qui pourrait donner des informations sur la météo locale, ça doit être. Là où se fait la liaison pour aller sur le réseau là. Donc à méditer pour s'utiliser à ce fameux réseau. Cette soirée tout de même, je ne reprendrai plus, je passe le micro peut-être à Gérard qui va continuer à gérer tout ça. Je salue toutes les stations à l'écoute et j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver. Ici c'est Fox, rendez-vous 4 Oscar Angelo, à la ville de Sainte-Marie, le prénom est Pascal. Oui, merci FR4 Oscar Zulu à Sainte-Marie, Mamie Pascal, de Gérard F5MOX. Alors ça doit être un mélange de fréquences et dès que le point d'accès émet, on a l'aviation. Donc c'est un mélange. Ça arrive rarement, mais là c'est bon. Hein. Tu dois déclencher le 100. C'est combien ça 100. 100 la fréquence aviation, c'est 116. Hein. 116 à 130 mégas, hein, un truc comme ça. Voilà, ou 108. Non, après 108. Ouais. Alors on entend bien l'aéroport là. Donc il y a un mélange de fréquences. Voilà, je te ferai écouter parce que je suis en train de faire une vidéo sur, donc je la mettrai sur YouTube. Voilà, merci Pascal de Sainte-Marie, je te souhaite une bonne soirée, hein, parce que là il est 17h13 local, donc il doit être 20h13 chez toi. Allez, salut, et donc ici Gérard, F5MOX portable à la butte au canon Paris 12e, qui repasse à ton écoute Pascal. Laisse un blanc s'il y a d'autres stations qui veulent se signaler. Et moi, je vais bientôt QRT. Voilà, 73 FR4 OZ F5MOX portable. Il n'y a rien là. Alex, France Terre Alpha, Alex 3, Eva qui lance appel, QRZ. Il y a du monde qui appelle pour toi, Gérard, je suppose. Pas de soucis, ben, je ne sais pas comment expliquer tout ça, mais c'est la première fois que je constate ça, qu'on me fait cette remarque, je suppose ça. Allez, 73 est tout le bon, effectivement, il est 20h passé maintenant, la nuit est déjà tombée ici, et il fait un peu plus de 26 degrés encore, hein. La température aujourd'hui est montée jusqu'à 37 degrés. Et, même si
la nuit est tombée, mais le thermomètre reste encore un peu haut. Hein. Au moment où je vous parle, là, il fait encore 26 degrés. 513 ouais. Je me reprendrai plus là. Vas-y, Gérard. À bientôt. Est-ce que tu peux reprendre sans moduler et éventuellement faire varier ta puissance F1CHF? Pour information, je suis à moins de 5 watts. Hein. La puissance de l'émetteur est vraiment totalement fermée. J'ai pas de puissance, hein, senti presque rien. Je dois avoir entre 3 et 4 watts à peu près. Je ne peux pas faire mieux. Et je vais arrêter pendant quelques secondes, laisser l'appareil en émission et me taire pendant quelques secondes et vous me direz ça au prochain tour. C'est où, je vous redescends. Voilà, je vous repasse le micro, Gérard, et vous me direz ça là, ici à C4 Ouais, effectivement, on entend l'aviation, le WX, hein. Effectivement, quand tu as laissé ta porteuse. Hein. Voilà, je l'ai enregistré. CHF, là, à vous le micro, enfin CHF, je crois, le 5e OX portable. C'est bien, toi. Allez, tu l'as. C'est ça, c'est chef de retour. Oui, enfin, ça reste discret quand même. Enfin, moi, j'estime que la modulation aviation est de l'ordre de 20% par rapport à sa module. Donc, il ne va pas aller en prison. Hein. Ce qui peut arriver, c'est que son signal plus le 112 mégas ou le 108 ou je sais pas quoi, ça se mélange et. Bon, c'est pas facile à trouver ça. On avait eu ça sur le relais de Paris, il y avait une émission perturbatrice, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand tu as deux émissions assez proches l'une de l'autre, qui se remélangent, qui s'additionnent, qui se soustraient. Enfin bon, c'est pas gagné, il faut faire des essais. Allez, je me tais. Intermodulation. Bref. Oui, 3PJ, Jean, de F5 MOI, je t'entends bien. On avait compris, hein. Merci. Il doit être près de l'aéroport. Pascal, t'as l'aéroport. C'est quel aéroport, quoi? C'est Saint-Denis de la Réunion? Il faut faire des analyses là parce que c'est vraiment horrible, on l'entend bien. Alors faut soustraire faudrait ça vous connaître la fréquence de l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion et puis faire le pour que ça se mélange, hein, et puis ta fréquence du link là, et puis calculer, mais bon ça se fait, hein, voilà. Tu me donneras tout ça et on va essayer de trouver. Garros, on entend Roland Garros. Oui, Pascal, alors j'ai entendu Roland Garros, hein. Effectivement, donc ça vient de chez toi. Oui, FR4 OZ de F5 MOX, OK 5 SPI. Oui, l'intermodulation viendrait de chez toi parce que j'ai entendu. Très bien, Roland Garros. Et c'est bizarre parce que c'est en AM, hein, c'est en modulation d'amplitude, là, normalement. Alors, on l'entend très bien. Hein.
C'est curieux en plus. Entre la FM et la AM, bizarre. Hein. À toi, Pascal, FR4OZ, F5MOX. En portable aussi. Maintenant j'utilise le petit Baofeng, là je suis dans mon jardin hein, avec très très faible puissance et comme je vous disais j'ai le relais là à vue qui est à environ une dizaine de kilomètres de chez moi hein. Voilà, je vais laisser un petit blanc dans l'émission. Et vous me donnerez votre avis, ça m'étonnerait que ça vienne chez moi. Mais bon, on verra bien. Je laisse un blanc et puis je repasserai le micro à l'ami Gérard là. Voilà, je laisse un blanc. Laisse un blanc en moins de 30 secondes hein, qu'on puisse identifier la température et tout ça. Des fois, il a dit Roland Garros, hein, FR4OZ, F5MOX. Laisse la porteuse 30 secondes. Ok, alors je reprends le micro Roland Garros. Je vais me taire pendant une vingtaine de secondes là et je vous repasserai le micro par la suite. 14. Voilà. F5MOX portable, si F4Z là en portable. Vas-y, Gérard. Ah oui, alors on a FR4OZ, F5MOX. On a très bien reçu et j'ai enregistré là sur la vidéo. Roland Garros, 1013 hectopascal, 30 degrés au sol, c'est ça? Je ne pourrais pas te dire si c'est ça parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas de récepteur à proximité qui pourrait me donner toutes ces informations de Gilo, hein, du centre de météo de Gilo Roland Garros. Maintenant, je ne sais pas, à mon avis, je pense que ça doit être le réseau, je ne sais pas. Ah ouais, c'est un mélange de réseau. Ouais. Donc là, je suis ouais. Avec le petit Baofeng dans le jardin, donc ça m'étonnerait que ça. Et je suis à environ, je sais pas, 4 km, 4 à 5 km de Roland Garros, là, pour information. Hein. Voilà, en Fox 5MOX en portable, F4Z en portable. Et puis, s'il y aurait d'autres stations à l'écoute, on laisse un blanc pour ceux qui veulent incorporer le QSO là. Vas-y, Gérard. Oui, FR4OZ, F5MOX. Alors bon, j'ai une idée, effectivement, tu m'as donné la solution. C'est un mélange de link au niveau du réseau, hein, au niveau du réseau, non pas au niveau de la VHF, parce que VHF AM et VHF FM, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Donc, ce sera un mélange. Il doit y avoir des lignes qui sont désappairées ou un truc comme ça, ou la masse, un truc comme ça. Il faut que vous regardiez dans l'architecture des lignes. Voilà, le mélange se fait là, hein. Effectivement, on entend bien. Hein. Donc, à revoir tout ce qui est câblage, hein. Ce qui est QSL, Pascal, FR4OZ, F5MOX portable. Bien QSL pour tout. Roland Garros. QSL pour tout, mais malheureusement, moi je pourrais rien faire là-dedans, hein, parce que je l'ai mis en VHF et je rentre dans un réseau, je rentre dans une chaîne de relais VHF-UHF et arrivé à un moment.
dans le RERS. Et donc là, il faudrait peut-être voir avec le propriétaire de ce site-là, mais je pense que tous les OM de Saint-Denis ou de l'Est ou de la Réunion doivent être concernés par ce problème. Malheureusement, il n'y a que moi aujourd'hui qui est en fréquence, mais je suppose s'il y a d'autres stations en Fox Romeo qui sont à l'écoute, qui voudraient bien se signaler, je pense que le problème est là, effectivement. Ok, allez, je me reprendrai plus le micro, merci pour tout. J'en parlerai un mot au propriétaire de ce fameux relais, chaîne de relais, là, cette association de relais, de radio amateur. Et peut-être qu'ils trouveront la solution. Merci en tout cas de l'avoir signalé. Fox 5 MOX portable, CR14Z qui coupe les émissions. 73, Gérard, à bientôt. Et salutations, station à l'écoute.